bote batata ba mama oyo mwana na bino mwana mboka Arnold Marcelo Bassa RD Congo en direct de Kinshasa na pesi bino mbote pe na bengi bino nyonso désormais bolanda télévision oyo na YouTube pona bozala informé na ba information nyonso ezo touché na politique ba information nyonso ezo touché na économie ya mboka ba information nyonso ezo touché na ba domaine nyonso etali avancement ya mboka. Ce qui vous a branché la télévision, Oyo, beaucoup raté ta information mon côté. Ce qui vous a branché la télévision du peuple RD Congo, beaucoup raté ta information mon côté. Ezo leka Oyo et Tali avancement ya mboka na biso. Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs. C'est TV du peuple RD Congo en direct de Kinshasa. Oyo abino mo na mboka Arnold Marcelo Bassa. Nenge to mesana kozala toujours ensemble, nenge to mesana kozala toujours elongo. Yango équipe nangai l'équipe nangai to kitina tongwa lelo to apporter de l'information ya kitoko na baikuke ki na bino to mela bino basango malamu o etali politique ya mboka na banda ko na bino lelo to kobeta di solo o etali reprise de cour o mesi Félix Ambon Tshisekedi wa le tata wa ekolo ala saki sur le territoire national le centre du territoire national to kobeta di solo o etali ex-ministre Henri Yave, ndenge ba invita ki na parquet oyo a répondu ki te tokobetela pe lisolo na yango lelo tokolobela pe likambo oyo etali trouble oyo ezali kotea Lubumbashi entre bazangu na bakongole bazowelela espace frontalier tokobeta pe lisolo wana pe tokobeta lisolo oyo etali cour oyo bandaki kopréparer contre ministre intérieur oyo ezali Gilbert Kankunde na Lubumbashi mpona bato wana bakangamaki tomonaki bango bakotelaki na hotel me bato wana basuspe wana bazalaki armé bazalaki antonie civil la police etiaki bango maboko mpe bashimelaki bango mpe tokobeta lisolo wana mais avant tobanda tokobeta nano lisolo tokobeta lisolo nano ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge akitaki na inekini tokosala bino quelque lecture oyo ezali à la une na journal na bajournaux nyonso sur la toile na bajournaux nyonso sur les réseaux sociaux toujours bandala lisolo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Félix Tshisekedi lance la reprise des cours sans le premier ministre ni le gouverneur de la ville de Kinshasa. Balamboka a la lecture au tour. Beta c'était que moi l'amboka Félix Antoine Tshisekedi a quitté na une qui ne peut pas lancer reprise à Bakou sur l'étendue de la République nationale congolaise et la descente ouana tout monaki absence ya premier ministre peut tout monaki absence ya gouverneur de la ville. Est-ce que balamboka est allé qui nécessaire que président de la République a la compagnie na bango? Oui effectivement fallait gouverneur à ville a la wana pembeni ya mon konzi ya mboka pembeni ya papa wa école pe premier ministre a la mettre monaki bango ba kibeki et est-ce ba sabotage invitation à président de la République Toba Boya qui Toba Zoki mot d'ordre mon corps na Kanabango ya FCC pour na Banyata Wanate et le Cambodge toujours que toute la République quand il y a ancien régime on a bandit et souhaité sur l'année blanche que Mboka et quoi na Kao année blanche et ça les Mapona révolte et à la côté à Bajene peuple a se soulevé pour la Likambuya année blanche pour la Bango basse et la Bamon a fait que mandat président de la République Félix Antoine Tshisekedi est raté. Il y a un autre monde qui a de l'espère et enseignement. Là, le ministre, il y a son ministre, il y a un autre ministre, il y a un autre ministre, il y a un autre ministre, il y a stratégie nini ba fande ki na ministre ya esu bango tout bazoki ba stratégie pour na été reprise des cours et zone à la République démocratique du Congo pour na ba sauver année au de justice pour le règne de la année blanche. Félix Tshisekedi a procédé ce lundi 10 août 2020 au lancement officiel de la reprise des cours pour les élèves et étudiants finalistes sur tout le pendu du territoire national. Le go a été donné à l'Institut de la Gombe avant que le chef de l'État ne se rende au lycée technique de l'UMETE et à l'université de Kinshasa pour constater l'effectivité de cette reprise. Mais des absences de taille ont été remarquées dans la délégation de Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit des seuls du premier ministre Ilunga Ilunkamba et du gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentimi Ngobila Mbaka. Aucune raison n'est jusque-là connue pour justifier ces absences. Fatih de ce fait, accompagné que du ministre d'État en charge de l'EPSP Willy Bakonga, son fils Dudu Budimbo et du ministre provincial de Kinshasa Charles Boutoumoutou. Thomas Louaka, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et sous en sigle, se joint au groupe
à l'état de l'unique. Yango bana mboka to bena kibino avant to kota na kati ya bosolo ya émission oyo avant to kota to kundula ba information pour toi ezali TV du peuple, TV du peuple et na ko kundula ba information pour nous même na bino ba information to ezaba information et longo bani pour nous ba information vrai yango TV du peuple azombe ta cette pour la nuit to mona ki ba absence oyo pour la nuit mokonza mboka azali ki accompagner te pa ba autorité majeure au bani ezali premier ministre na Du gouverneur à ville, ils allaient, mais c'est gentil, ils vont bien en bas. Mais t'as trouvé l'école à l'imba qui t'a trouvé l'école à Azana souci pour la population. Il y a un autre pour le bac à toujours. L'avenir d'un pays dépend de l'éducation où les populations azo recevoir le lot. Donc, l'éducation qui reçoivent la jeunesse aujourd'hui, c'est. Et qu'on permette que l'lobby tout en a un bon dirigeant, l'lobby paye tant que bon, basé les bossons et bisous, bah, ok, les bisous peut-être dirigeant beaucoup, la boîte n'est pas surtout dirigeant beaucoup, la bouteau signé surtout dirigeant beaucoup, la base solide, au bacotique et la bisous. Il y a un autre pays qui a le bac, année où il y a eu qu'on a l'année blanche, et à se sauver, il y a une année où il y a un gros yémoko à qui t'a qui sur terrain pour la à ça la paix à travaux où vous allez qui ne paye à lancer. Reprise en cours sur l'étendue du territoire national. Il y a un peu de bêtises, c'était peu encourager, mais c'était aussi Antoine Tshisekedi qui dit peu de zongé, c'est les matons de Mingi Pont. Tout le monde qui est étudiant, il y a une équipe de Bazalé qui est un poète. Tout le monde qui n'a pas moins passé en 2019, il y a des logés qui sont étudiants, il y a une équipe. Mais, il y a un peu de zongé qui est un peu de zongé qui est un na nous lingé et singé la maquité bat nous sous bat critiquer qui président de la république qui nous critiquer qui monsieur Thomas Loua quand on a les ministres à Yesu mais de l'autre monde bat il y a basé les singos que baso pèse à tato à école le matin de mingé na ministre à Yesu Thomas Loua quand pour la vision malam au yo baso bon ça bat home bat toilette bat douche bat chambre niens sont ezali na ba normes au yo ba normes sanitaires au yo et longa bani na et singami pe na ministre ya santé yango tozo mona ona ile ki ni nyoso ezali correct yango pe tozo mona ki na ba jour mikoloza ni ko ya liboso a ba etidia ba kozonga na ba demer na bango ba etidia ba kozonga na home na et singonyo se ba kozonga na home na souci nyoso ya kotanga na ba condition bien po eti to mona ki ke ba douche mbe kam nyoso ezali ki obeba ba etidia ba kokeri kotanga na ba condition ya bien te yango papa ya école Félix soko dina ba bonne œuvre na yazali na vision la moazali na yango yango atika ke likambo wana ya ndenge wana te ba decision o ya zwaki batu bamona ki yango mabe mais lelo batu baza kobetela ye maboko pe betuda baza kobetela ye maboko longonia na monsieur Félix Antoine Tshisekedi sikoyo bana mboka dossier mosusu ezali dossier ya Henri Yahava oyo azali ancien ministre Henri Yahava oyo azali ancien ministre tout moni ete ben invité ki ye na tribunal de Kuna Meye a répondu à qui était. Yango tout ce temps là, et l'on connaît le journal, bah, comme il dit, son attendre à avoir concerné le dossier. Voilà, bah, l'ex ministre Henri Yahava ne s'est pas présenté au parquet. Conformément au calendrier des autorités judiciaires, l'ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, sous le président Joseph Kabila Kabange, et au début de la mandature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Henri Yahava est convoqué ce jeudi. Est convoqué ce jeudi depuis 12 heures au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Depuis lors, l'ex-ministre et ancien directeur du cabinet adjoint en charge des questions économiques de Joseph Kabila est toujours attendu pour l'audition du magistrat du parquet au palais de justice où il serait convoqué pour justifier l'utilisation de la bagatelle les sommes de 100 millions de dollars américains débloqués par la Banque centrale du Congo dans les comptes du secteur minier sous son instruction. Il y a un autre monnaie qui était invité qui est dans le parquet. Il y a Gombe qui a répondre, à qui a justifié 100 millions au Bango Bazoua qui n'a compte. Il y a certains miniers bango ba signé qui contrat na partie mako ou appelle cette bango 100 millions wana mais ba bengi ba dit que 100 millions wana ezala ki utiliser ndenge et longo ba nité que mbongo wana ezala ki dévier na banque na compte mako quelconque mbongo wana ekota ki na mosolo ya l'état mbongo wana ekota ki na compte ya l'état mais mbongo wana ekota ki na ba poche ya bato yango justice na lolenge ya malamu au président de la république installé a instauré état de droit sur l'étendue du territoire. Il y a un invité qui est invité qui est aïe à quoi c'est justifié pour l'utilisation de Mbongo. Mais tout le monde y était, ministre, ancien ministre, Yav, a boy à répondre à l'invitation au parquet à Pesa qui est. Mais Bisso, étant que journaliste, tout le monde y a Mbongo qui est passé une invitation à répondre à te, tout le monde y a une deuxième invitation au team de la SOK boy pour répondre à l'invitation. Il y a un parquet à quoi ça la.
akosala na 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 mukasi na yenyo so poete a répondre poete a répondre na invitation wana to mandat d'arrêt moko ezala lancé na 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 personne na ye yango wana bana mboka tuzui bisa bino te bo s'inquiéter par rapport ya dossier oyo justice ekosala musala na yango pe blacklistment ekobima pe na zo signaler bana mboka ke mutu nyonso oyo afande la misolo ya nza mutu nyonso oyo a gérer mboka mabe na bisa bino ke bana mboka Monsieur Antoine Félix Tshisekedi ndenge apesi justice makoki wana pona yete na ekolo oyo etumbu na ekolo ezali nde justice yango atatu monaki ke madame Janine Mabunda wazali présidente de l'Assemblée nationale a critiqué que Alba qui est commis mboka moko commis état ya ba juge nous ont confirmé yango que mboka état la canal justice ni voto za la mboka ya ba ya ba juge mboka ya ba politicien parce que ba juge ba mutu ba komema boto si ba juge ba komema a lire ya bien na mboka yango ce bien était liste ezali qui était liste ezali mumene pe ba komba ba tezali vele ba to ba ko répondre na justice pour na ba bio ba sala qui sur le plan national ba bio ba sala qui na politique ba bio ba sala qui pour na ba restreindre ba liberté ya bana mboka pe ba restreindre avancement ya bana mboka yango na zone ba que justice azo sala musala na ngo du solo mususu to kosolo na bino ezali du solo ya Zoé Kabila oyo azali gouverneur a Tanganyika to moni ete na ba négociation wana o ba fanda ki na parti ya biso ya Congo na parti ya Zambie pour na ba la partie ya Congo yango wana to mona ki ki na journal ba esposo ke monsieur Zoé Kabila a claqué qui porte pe abima ki la réunion wana pe solution et mona na kité yango to ko tanga la bino na journal eloko nini eleka ki en réalité na likambo wana po na yete mona mboka Zoé Kabila a claqué porte mona mboka Zoé Kabila a silika abima la réunion wana sans pour autant que réunion et koma na suka babi conflit RDC Zambie Zoé Kabila quitte les négociations de Lubumbashi. La délégation de la province de Tanganyika, conduite par le gouverneur Zoé Kabila, vient de claquer la porte des négociations de la commission de défense et sécurité au Pullman, Caravia Hotel, où se déroule depuis deux jours les négociations entre la Zambie et la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. Le gouverneur du Tanganyika demande à la Zambie de reconnaître qu'elle a envahi le territoire de Moba. Qu'elle a envahi les territoires de Moba dans la province du Tanganyika. Rapporte un membre de la délégation qui précise que les débats sont très houleux en ce moment-là lors de ses assises à Lubumbashi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur congolais est également arrivé à Lubumbashi cet avant-midi pour renforcer la partie congolaise représentée à ces discussions par le province du Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika qui partagent la frontière avec la Zambie. Depuis mars, les relations ne sont pas au beau fixe entre la RDC et la Zambie suite à la présence de militaires zambiens sur les sols congolais, occasionnant des déplacements internes côté congolais. Après la médiation de la SADC, la Zambie n'a toujours pas capitulé ses troupes drainées encore dans le territoire de Moba ce mercredi. La FP a affirmé que les militaires zambiens ont même fait des otages dans le rang de l'armée congolaise. Yango toujours le bayet c'est moi n'emboka Zoé Kabila azalek na raison ya ko claquer porte azalek na raison ya ko bimana ba 6 wana ya ko bimana ba na réunion wana sans pour autant que réunion wana ko mana suka pona azo affirmer que ba militaire ya o bazali ya parti zambienne ya mboka na biso Zambie ba kote ki na République démocratique du Congo na territoire ya Moba pe ba envahir territoire wana to mona ki te ba déplacement en masse et salema ki to mona ki population abande ki ko vivre sous na esengote population abande ko vivre sur le territoire de la République démocratique du Congo, le territoire où ils à Moba, Zonga na Zambie batika territoire wana ville pona ezali mabele ya République démocratique du Congo mais basoda wana bayoka kite troupe moko ezonga ki bamisusu batika la ki kota République démocratique du Congo na territoire ya Moba pe babanda ki ko continue kosala ba bina bango yango epesa ki mwana mboka
Zoé Kabila Kanda pour être à claquer porte pe à bima. Yango toza ko loba ke autorité na biso ba kota likambo oyo, ba autorité na biso ba ba se élever par rapport à ces problèmes ba kota likambo. To moni Sadek, Sadek oui ya sala musala na yepo na zone sa kimia na les partis oyo ya Afrika, mais tozo loba ke ce qui Sadek a sali musala au bienté et que ça la soulèvement populaire, ce qui Sadek a sali musala au bienté trouble kokota. Yango to moni ki mwana mboka Gilbert Kankonde oyo azali ministre ya intérieur a kitaki na province ya Katanga. Na okatanga akitaki wana pona akota pe na makambo ya réunion wana pona République démocratique du Congo ezalaki représenté par na trois provinces ya okatanga ya Lualaba pe na province ya Tanganyika. Mais mokonzi na bango oyo azali ministre de l'intérieur azotala bango nyonso ye pe panaki ya matambe na ye na esika wana po ete basise wana po ete réunion wana po ete makambo bandaki kosolola ba trouver ba décision ba trouver ba compromis moko à l'amiable. Mais eloko ekambisaki biso ke nakokita ya mwana mboka Gilbert Kankonde na Lubumbashi oyo azalaki loger na hôtel Pullman Carabia, toza kosuspecte na ntongo wana eloko rumeur moko ekiti sur la toile, rumeur ba rumeur ekiti sur les réseaux sociaux pe ezali ba rumeur moko confirmé parce qu'il y a des personnes déjà arrêtées pour ce fait. Yango mwana mboka Gilbert Kankonde azalaki na hôtel wana, mais tomonaki des personnes oyo bakotaki na hôtel wana armée, mais basalé qui la tenue civile pour pouvoir y a comme maman bien pour pouvoir que boma moi n'amboka ou azali Gilbert Kankonde. Yango tout ça est une petite lecture de ce que c'est dit sur les réseaux sociaux, c'est ce que c'est dit sur certains journaux ou un peu comme l'Obama le journal ou toujours que tant à la bino awa ou l'Italie affaire ou y a Gilbert Kankonde. Bah le billet c'est le journal en gros, bah le billet c'est Lubumbashi qui sont les personnes armées arrêtées à l'hôtel Carabia ce matin. Plus de pères que de mâles ce jeudi dans la ville de Lubumbashi et plus précisément au Pullman Grand Caravia Hotel à l'arrivée du vice-premier ministre de l'Intérieur. Sécurité à faire toute une lumière, Gilbert Kankonde, trois personnes armées en tenue civile ont vite intercepté par le jugement de la police nationale congolaise. La stupéfaction s'empare des gens, la peur s'installe. Très vite. Des bruits d'une tentative d'assassinat du patron de la territoriale s'y répandit telle une traînée de poudre. Les hommes sont maîtrisés et acheminés à la 22e région militaire pour audition. À Caravia, la tension monte d'un cran. Des militants de l'UDPS révoltés par la scène se défoulent sur Jacques Kabouy, le gouverneur du Haut-Katanga, sur qui ils vont très vite huer pour manifester la désapprobation. Et en une poignée de minutes, le calme est revenu, le malentendu dissipé. Mais selon des sources proches de la 22e région militaire, affirme que les personnes armées sont en réalité des agents des services spéciaux, communément appelés non-apparents. Ce sont des éléments de la 22e. Région militaire de la suite du commandant second chargé de l'administration et logistique. Ces gardes sont en détachement rapproché du vice-premier ministre sous sa demande. Ils ont été en pleine mission de sécurisation du vice-premier ministre de l'Intérieur a confié cette source à electionnet.com. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, est arrivé dans la ville de Lubumbashi ce jeudi pour participer au pourparlers entre des experts congolais et zambiens démarré mardi à Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, autour d'un conflit frontalier qui oppose les deux États depuis mars. Chris Lumbu, le journaliste. Banamboka. Il y a un autre monde qui est tata na biso patron ya territorial a tiki matambe na ye na Lubumbashi pour pouvoir akotape na ba négociation oyo ezalaki entre la partie congolaise et la partie zambienne pour na ba trouver une solution à l'amiable pour la population et vivre sous la kimia. To utaki ko mona yango ke na Lubumbashi trouble moko esalamaki entre la Kasaïen na ba ressortissant ya Katanga concernant le tribalisme. Yango ete makambo wana tata ya école Félix Antoine Tshisekedi aboyaki yango. Mais na makambo oyo oyo ba agressé ba assassiné monsieur Gilbert Kankonde yango esali sous soulèvement populaire ba na mboka ya Kasai ba ressortissant ya province ya Kasai oyo ezali Kasai centrale Kasai orientale na
Kasai na Kasai tuku basangana kite ba sala ki trouble balobi ete mwana mboka Félix et mwana mboka Gilbert Kankole afoki kozala assassiné boyete. Donc il y avait déjà quelque chose qui a été prémédité pour l'assassinat ya oya azali patron ya territorial yango ete to mona ki ba iwaki sur les ministres ba iwaki sur le gouverneur ya okatanga oyo azali le numéro 1 ou azali le patron ya province wana. Mais tout le monde qui à un certain moment kimia ekotaki la province, kimia ekotaki sur les bandits de la ville, pe oyo azali kwabula Jacques gouverneur à Okatanga, pe à côté ça kimia pe a éclaircira qui opinion publique sur la question relevant de la matière. Mais tout le monde qui était ma personne en bas avec le nombre de 3 personnes au bazala qui a Okatanga mapé de dire que audition la bango ezo salema bien évidemment pour la ba e ba été acte au balinga qui basala wana assassinat wana ezala qui assassinat moko prémédité pe ba yeba origine nango ezala qui nini pe ba yeba ke banani ba commandita qui yango pour être justice et tiens maboko sur cette chaîne des personnes wana bango nyonso wana clip na bango bazala arrêté pour la tout monde qui était toujours luka kimia ekota na mboka. Mais au même moment où toujours luka kimia ekota na mboka, il y a certains individus qui se permettent ya kokotisa susu mobulu na mboka ya ko stopper sous ma bonne œuvre et stopper sous une négociation voilà pour n'être mon boulot et côté population avant de la kimiate yango banamboka des autant de la dinope ou les amis journal sous concernant sur la même affaire yango banamboka tout le but autant de la bino journal ami balai et ou les alliés à Congo Forum. Lubumbashi Gilbert Kankonde serait-il la cible des hommes armés interpellés à l'hôtel Pullman où il est logé? L'un des hommes armés interpellés aux abords de l'hôtel Pullman Lubumbashi, des hommes armés en tenue civile, ont été arrêtés à l'hôtel Pullman ex-Caravia, où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, séjourne, où se tient également la clôture de la session mixte RD Zambie axée sur la sécurité. Qui visait-il en réalité? La neutralisation. Le jeudi 13 août 2020, des 7 hommes en tenue civile et armée a provoqué une tension dans l'enceinte de l'hôtel Pullman où se tient la clôture de la session mixte RD Congo-Zambie axée sur la sécurité. Cet incident majeur a entraîné la suspension des travaux des commissions. Et ce, dans ce même hôtel que Gilbert Kankonde, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de Sécurité, séjourne depuis son arrivée en matinée du même jour. Informé, le sympathisant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ont envahi le lieu et ont improvisé une fouille systématique malgré la présence des forces de maintien de l'ordre public. Le vice-ministre Gilbert Kankonde a tenté en vain de calmer le militant qui n'a rien voulu, rien entendre, car pour eux, c'est le gouverneur Jacques Kwabula présent sur les lieux qui seraient à la base de cette tentative d'assassinat. Selon eux, ces hommes seraient issus du rang du FCC et se seraient infiltrés parmi les hommes chargés d'assurer la sécurité, enfin d'abattre le ministre. Une version réfutée par le responsable du FCC. Il faut noter que les jeunes de l'UDPS accuse l'autorité provinciale d'être à la base de la mort de leurs 3 camarades retrouvés morts dans la rivière à Lubumbashi. Toutefois, la situation reste confuse. D'aucuns s'interrogent sur le vrai raison de la présence de ces hommes armés dans cet hôtel. Dossier à suivre. Au moment où ces hommes ont été arrêtés, où la police a mis sa main sur ces hommes, à 6 ans, ils ont été arrêtés. Déroulement, il y a Eloko Yo, en sorte que Kimia Ekota, déroulement, il y a processus, ils ont été arrêtés. Eloko Oyo, toujours, c'est plein d'angoté. Eloko Oyo, et ça, ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Pourquoi? Travaux de la commission, pour la base de Kimia, la partie à Mboka, où ils ont été arrêtés à Mboka. Et si l'été, les travaux ont été arrêtés. Alors, la question, Oyo, population, et tout le monde est en train de se faire, population, et comment la population est bien, TV du peuple, qui travaux ont été arrêtés dans Pullman Hotel.
Et le ministre a celle qui logeait pour la Pullman Hotel. En réalité, Batouane, ces hommes-là, armés, au Bazaki, n'a une formaté, Babandaki, qu'on poursuivrait Nan. Babandaki, qu'on poursuivrait délégation, il y a Zambie, au Tobazaki, qu'on poursuivrait vice-ministre, ministre intérieur, vice-premier ministre, ministre intérieur, Gilbert Tankonde, to Bazaleki na mission qui va travaux ana et simbaté que désordre à la kaka na partie ya na partie est ya Katanga. C'est la question que nous nous posons. Ya ngoba na mboka na zoe sabino ke to ki kopé ça une réponse facile ou été to kopé sabino réponse directement comme ça tant que justice est salina no musala na yangote. Au moment où la justice fera son travail, c'est à ce moment-là où nous apporterons de bonnes informations et nous apporterons la version vraie concernant l'affaire, concernant cette affaire. Yango Banamboga, ce qui était, pendant qu'il poursuivrait le vice-ministre intérieur Gilbert Kankonde, et qu'on a la élo comme quoi il y a pour y a patron y a territorial. Yamoto a assuré Kimia Yamoka, Yamoto a assuré paix, sécurité sur l'étendue du territoire national. Et ce groupe d'individus, Oyo, bah Taliban y a Katanga, bah Bengi Bango qui basalé qui commandité par certaines autorités y a FCC, basalé qui commandité par Batuo Baso qui constitue bah pilier à FCC. Mais tout le monde a dit que certaines personnes, certaines autorités FCC, bah Telemela qui, les Kambouana Balouba qui était, les Kambouana Bango Baïba qui a voté. Mais tout le monde a dit que la population peut abaler qui consiste sur le gouverneur Jacques Kabouilou, Balubi, qui a été commandité qui, les Kambouana, en complicité avec base naïe en complicité avec une source ya FCC ou abanda qui ko pousseye oyo attaque ba moyenne so en œuvre oyo abanda ko ça de toutes les façons que ba assassiner ministre Gilbert Kankonde yango bana mboka tokoka bana boyete tozo le belabino pona affaire mon copé oyo bana mboka pe ba senga ki biso to le belango na tongo o bana mboka pe ba linga ki bazala informer sur ça. Question il y a COVID-19, balbi 27 millions où ils allaient allouer pour la lutte contre la COVID-19, ils allaient qui détourner où il y avait une mauvaise gestion il y a Monsoloana. Il y a le journal de prospérité et le bin à 27 millions il y a USD alloué à la lutte contre la COVID-19. L'IHF atteste le détournement de fonds et transfère les dossiers en justice. L'UGF, Inspection Générale de Finances, a trouvé le fait de mes gestions caractérisées et nous avons déjà saisi la justice de la République où nous avons transféré les dossiers pour une prise en charge et nous espérons que dans le tout prochain jour, la justice pourra interpeller les personnes concernées dans ces dossiers, a révélé Jules Alinguete au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 13 août 2020 à Kinshasa. Cet inspecteur général des finances a fait savoir que les enquêtes diligentées par son service font état des détournements dans la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid du compte général de l'État au niveau de la Banque centrale du Congo, BCC en cible. Cette nouvelle suscite donc la panique au sein du ministère de la Santé accusé d'une gestion calamiteuse et opaque d'une somme astronomique de 27 millions de dollars américains débloqués par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que le ministre de la Santé, Étienne Longondo, et son vice-ministre, Albert Mpeti, sont à couteau tiré. Aussi, une mission d'inspection a-t-elle été diligentée en vue de procéder au contrôle de la gestion des fonds, dons et ressources de toute nature mises à la disposition du comité multisectoriel de la lutte contre la COVID-19. Contrôler la destination et la justification des affectations données aux ressources mentionnées, ainsi que la régularité des engagements conclus. Telle est la mission assignée aux inspecteurs généraux de finances Djamba Yanjongi, Wa Songoloa Dongolo et Mutombo Kalonji, qui viennent de rendre les conclusions de leur enquête.
Il revient maintenant à la justice de départager Étienne Longombo et Albert Mpeti dans cette affaire. Il suffit de rappeler que c'est ces derniers, en l'occurrence le vice-ministre de la Santé, qui a lancé l'alerte à travers son mémorandum confidentiel adressé au chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Donc, ce document qui a enflammé la toile d'Urbain Petit dénonçait en effet la gestion calamiteuse et opaque par son titulaire des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le vice-ministre de la Santé a dû subir régulièrement des pressions pour signer des documents financiers non propriétaires et complaisants tels que les bons d'engagement numéro 02-3866 concernant l'achat des produits pharmaceutiques d'entretien et hygiénique en faveur de la polyclinique Pirou-Keti pour un montant de 23 millions de francs congolais et de l'ordre de paiement numéro 12-15-CAP-MINI-S d'un montant de 122 millions de francs congolais en faveur de Madame Dza Zelo Moka Walele Gina, administrateur gestionnaire titulaire de l'hôpital Kimbanguiste de Kinshasa, pour le paiement des factures des malades insolvables libérés sur ordre du ministre de la Santé après son passage dans ses centres hospitaliers le 19 mai de cette année. Akizon Eteni Longondo chez Sylvestre Ilunga, Albert Mpeti a aussi écrit au ministre de la Santé: il existe des solides réseaux mafieux créés à dessein pour détourner ces fonds. Avec ces réseaux mafieux, dilapidant systématiquement les fonds alloués pour le gouvernement et le partenaire. Ces réseaux mafieux exigent des rétro-commissions jusqu'à hauteur de 35% auprès des structures bénéficiaires de ces fonds. Dans ces mêmes mémorandums, ce vice-ministre accuse également son titulaire de signer seul le décaissement des gros montants et de ne jamais l'associer dans la gestion de ses fonds sauf des petites sommes, alors qu'il devait contresigner suivant le principe de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Après l'audit de l'inspection générale des finances, le vice-ministre de la Santé aurait donc eu gain de cause. C'est maintenant à la justice de faire correctement son travail pour éclairer la lanterne de l'opinion sur l'utilisation de ces 27 millions de dollars américains. Dossier à suivre. Banamboka, yango ezali dossier tokolobe la mikonzoel koya liboso. Entre-temps, la justice et Sala Moussala nango sur le ministre Étienne Longombo. Mboka oyo ezali mboka ya ba juge, mboka oyo ezali mboka ya mibeko, yango tolobi ke na mikolo ezali koya tokopesa bino ba bonnes informations pour la suite ya dossier oyo ya détournement ya 27 millions, la mauvaise gestion ya dossier ya 27 millions par le ministre Étienne, pe tokopeta sete na yango tokoy éclairer opinion na dossier oyo ezali makambo tokola tokoy na bino ba source fiable tokoy na bino ba informations vraies. Yango bana mboka tokito kabona boyete na tali mopanzi ya justice na pesi mekondoleance na ngai na corps ya justice mobimba oyo abongisi moko ya bango azali na avocat général abengami na kombo ya George, avocat George Mulongo, avocat général George Mulongo oyo aotaki kobongisa oyo ezali bomoi na ye na accident oyo esalemaki na boulevard en face ya IPC. Et famille biologique n'aime pas te pisser bino ba mes condoléances, et famille politique n'aime pas te pisser bino ba mes condoléances. Zambé abattu la République démocratique du Congo, te contenir à la porte. Et tout ce n'est bino, vous abonnez les sous, vous vous abonnez à la chaîne OT, vous abonnez à la chaîne OYO. Il suffit que vous ayez un YouTube, vous tapez TV du peuple RD Congo, activer cloche l'icolo pour te rater information à ta mon côté touchant la vie politique, pour être vous à la informer à la minute, vous à la informer na à la seconde de toutes les informations ou les résultats politiques ou les autres l'icolo ya mboka. Nzambe abate la tata wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi, Nzambe abate la
staff nanga mobimba bo tozo travailler na bango ensemble bo bazo sunga biso libanda mboka bo bazo sunga biso na kati ya mboka awa cameraman nanga yi batutu bazo sala musala o nzambe abatile bino tokutani à la prochaine émission.